avec la musique super stressante, là, vraiment le truc, voilà, quoi. Enfin bref, coucou tout le monde, c'est Tsub, qui on arrive aujourd'hui sur le 29e épisode dans Fallout New Vegas. Donc du coup, je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode précédent, je m'étais fait agresser comme un barbare, hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais repris la dernière sauvegarde. Donc voilà, donc je suis tranquille maintenant, personne ne m'agresse, je me suis juste aventuré un tout petit peu trop loin. Donc on va interroger, en fait, simplement on va interroger les gens pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de suspect quelque part, voilà. Hé, hey, j'ai entendu parler de vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est un joli chien que vous avez là. Merci, ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, mais il est intelligent. D'accord, ça vous dérangerait que je vous l'emprunte pour inspecter le secteur? Pourquoi faire? Vous avez déjà un chien? Ouais, c'est d'accord. Ok, alors, joli chien. Merci, ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, mais il est intelligent. Intelligent, d'accord. Comment faites-vous pour qu'il ait le poil si brillant? Je le brosse tous les jours, sans bon coup de brosse. Alors, bien, ok, d'accord. Rien remarqué de suspect? Ah non, j'ai rien remarqué d'anormal. Mon copain non plus, et pourtant, il a du flair. C'est un peu un chien en même temps. Au revoir. C'est normal qu'il ait du flair, mon gars. Encore heureux, j'ai envie de dire. Bon, on va essayer de parler aux gens. Salut! Ouh là là, on a trouvé notre copain! Alors, qu'est-ce que vous savez sur la visite du président? Il vient faire un beau grand discours pour tous les soldats comme moi qui sont sur le barrage. Oh, je suis vraiment excité, hein. Il a l'air d'être vraiment sympa et je vais pouvoir le rencontrer de près. Il va me donner une médaille. Mais je sais pas pourquoi, je fais juste mon boulot comme tous les autres. Mais je suis quand même tout excité. Ah oui, tu m'étonnes. Parlez-moi de vous. Maman, elle m'a toujours dit de pas causer aux étrangers, mais vous, vous avez l'air d'être quelqu'un de bien. Maman, elle m'a laissé dans une ferme pour aller prospecter. Mais comme elle revenait pas, le fermier m'a mis à la porte. Enfin, dehors de la porte. Un gars m'a demandé si je voudrais être de la RNC. Et j'ai dit oui. Maintenant, je suis de la famille des soldats. J'aime bien ici, les gens sont gentils. Ils engagent vraiment n'importe qui, hein. Bye bye. Salut, mon copain. Alors, on peut peut-être parler aux autres personnes. J'ai hâte de voir le président. Je me demande de quoi va parler le président Kimball. J'ai hâte de voir le président. D'accord, qu'on fasse pas de bêtises. Si je m'approche d'ici, ils vont encore me faire du style « Oh, t'as avancé trop près et tout !» Que je regarde la carte. Donc la quête. La quête c'était rechercher des indices dans le secteur. On va regarder la carte du monde. Tac, carte locale plutôt. Revenir en arrière. Ah tiens, une personne là. Vous pouvez passer. Merci. Ah! Pas maintenant, trop de choses à faire. D'accord, poulette, tranquille, t'énerve pas. Circuler. D'accord, c'est ok. Ok. Alors, ceci est la console de commande du canon anti-aérien du barrage ouvert. Laissez ça tranquille, voilà, examinez les commandes pour les bricoler. Laissez la console tranquille. Ah, attends. Vous avez examiné les commandes à la recherche de traces de modifications, mais vous ne voyez rien d'inhabituel. Ok. La radio fonctionne aussi. Elle risque pas de nous vous péter avez à la gueule. Votre patrouille de sécurité? Ah bah oui, je suis prêt. Quand le président doit-il arriver? On dirait que c'est son vertipère terre qui arrive. C'est parti, essayons de ne pas merder. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des procédures de sécurité à superviser. D'accord, bah fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, pardon. Ah les oh Kings ont bien fait un avion. Un avion hélicoptère. Ah.
Ah, il se pose là-haut. Ah, ils sont rentrés directement dans le bâtiment. Cache-pistache. Ah, bah non, on peut pas rentrer dans le bâtiment, hein. C'est cool. Faut juste taper le tour. Ah, ils sont là. Président, président, autographe, un autographe. Alors, qu'on prenne le fusil. Oui, c'est bon, on a le fusil en main. Je regarde aux alentours s'il n'y a personne de méchant. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier d'être venu ici pour cette occasion exceptionnelle. Mais il n'y a personne. J'ai l'honneur de vous présenter le président de la République de Nouvelle-Californie, Harold Kimball. C'est qui cet ingénieur? Il paraît suspect. Il a un visage plutôt méchant. D'avoir fait tout ce chemin pour répondre à l'appel de la République. C'est pour vous que je suis ici. Et c'est grâce à vous que j'ai pu venir. C'est pas si nous pouvons profiter de nos privilèges, c'est parce que vous prenez les plus grands risques et êtes prêts au plus noble des sacrifices. C'est vous le problème ici. Je vois pas ce que vous voulez dire. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Venez avec moi, et vite. Désolé, mais c'est hors de question. Pour César... J'en suis sûr. Yo, salut. On l'a eu. Ouais. Le détonateur, il est là. Annoncez vos découvertes au Ranger Grant. T'es où, Grant? Mec, t'es où? J'ai une nouvelle, là. T'es où? Allez, là. Et ici. Faut rester à la fuite de petit à petit. Mais mec, c'est même pas ce que j'ai à t'annoncer, mais c'est pas lui, là. Ah non, c'est pas lui. Ah, c'est pas ça. Mais allez, Grant! Tu veux pas me parler? Tu tires une de cette tête en plus. T'as faim? T'as soif? Qu'est-ce qui se passe? 1100 points d'expérience, quoi. Yeah. Ok. Bon. On va augmenter le crochetage à 80. Ensuite, discours 80, là déjà, c'est parfait. Médecin, réparation, science, survie, troc. La discrétion augmente, si je me trompe pas, les probabilités de coups critiques. Alors on va augmenter ça, allez, c'est parti. Non mais Grant, c'est quand t'as envie, hein. Je suis là pour te parler, mec. Il y a un bug, hein, j'ai l'impression. Il y a une sorte de bug qui se passe, ouais. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il y a autre chose à faire, Grant? Grant! Oh! Tu veux pas parler? Tu veux pas me parler? Oh là là, mais t'hallucines. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, par terre? T'arrêtes, là? Ça a vraiment été un honneur d'être ici aujourd'hui. J'ai eu de la chance. T'as pas eu de chance, t'es... Attends, faut avoir du skill, quoi. Bon, bah, rien, hein. Ouais. Rien. Bon, du coup, qu'on regarde un petit coup. Là, il faut que je retourne à la centrale. D'accord, ça on sait. La RNC a un gros réseau d'informateurs. Si vous continuez à travailler avec Benny Wiwi, la RNC n'acceptera plus votre aide. Alors, allez voir le colonel Moore au barrage Hoover pour d'autres missions. Alors, cela. Ceci ou celle-là. Pour d'autres missions pour la République. Très bien. Ce qu'on va faire, nous, c'est plutôt aller à la centrale d'Eldorado pour installer la pupus. Je suis bête. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Oh. Alors. On y va.
Ah mais j'ai bien vu qu'il était suspect le mec, mais bon en même temps ils ont fait exprès hein. Mais le mec il avait des yeux du style genre je suis pas content et tout. Donc forcément quoi je me dis ouais c'est un petit peu prévisionnible hein, j'ai envie de dire. Non, on dit prévisible pour de vrai mais bon. Moi j'aime bien dire prévisionnible. Mais c'est vrai que ouais voilà, donc on voit tout de suite que le mec était super méchant et tout, et bah en fait j'avais raison. Allez, je suis caché. Je suis censé ne pas être vu. Voilà. Chut. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Rendre compte à Benny, oui, oui. On y va. T'es où, Benny? T'es où? Voilà, on y va. Ah, mais c'était marqué RNC, machin, truc... ouais, encore un truc. Encore un problème. C'est vite fait. Bon, on verra bien comment ça termine cette histoire. On verra bien. Dans tous les cas, de toute façon, il doit y avoir une fin dans le jeu. C'est logique, hein. On est obligé d'avoir une fin. Je veux dire, qu'on soit gentil avec la RNC, qu'on soit méchant ou ce que tu veux, il doit y avoir une fin. Tu ne peux pas terminer le jeu comme ça, quoi. C'est, à mon avis, c'est pas possible. Donc on va forcément arriver sur un débouché qui sera pas forcément le meilleur, mais en tout cas on arrivera à quelque part quoi. On va aller voir Benny oui oui dans le penthouse. Penthouse. Trop 6. Voilà. Le président Kimball a survécu à sa visite au barrage ouvert. Pas mal. Bon, et sinon? Vous n'aimez pas quand le Lucky 38 est entièrement allumé? C'est un présage d'avenir. Extraordinaire nouvelle! La Légion amasse des troupes dans une zone à l'est du barrage. L'attaque est imminente. Monstre de l'Est, prépare-toi. J'ai quelques petites choses à régler avant la bataille du barrage ouvert. Mais alors ça veut dire quoi que la bataille du barrage Hoover c'est le dernier c'est la dernière mission du jeu? Comment ça se fait? Oh je sais pas, bon bref. Ok, je suis prêt à aller au barrage. Formidable. Alors j'ai lancé quelques calculs après avoir étudié les estimations des rapports de force de Monsieur House. Et il se trouve que nous pouvons gagner cette bataille de deux façons. Vous entendez ça? Nous avons plusieurs options. Vous pourriez rediriger l'énergie de la centrale du barrage jusqu'au site de Fortification Hill. Ça redémarrera son réacteur, comme au Lucky 38. L'armée de Sécurité 3 en veille se réveillera et nous aurons les troupes nécessaires pour débarrasser le Morave de la Légion et de la RNC. Sinon, vous pouvez détruire les générateurs du barrage. Le site ne sera plus alors qu'un amas de béton. La RNC n'aura aucune raison de le défendre. Vous pouvez vous décider plus tard. Pour l'instant, prenez ce module de répartition et installez-le sur le terminal de la salle d'alimentation. Bonne chance. On se revoit au barrage. D'accord. Ouais. Alors, vous vous engagez à vous battre pour l'indépendance de Vegas pendant la bataille du barrage Hoover, qui scellera le destin de New Vegas pendant des décennies à venir. Si vous voulez faire quoi que ce soit avant d'entrer dans la bataille, faites-le maintenant avant de passer le point de non-retour. Je ne suis pas encore prête, bah oui forcément, puisque je suis une fille dans le jeu. Voilà, de toute façon on va encore me traiter d'homosexuel, c'est ce que j'ai eu en plus comme on appelle ça, comme commentaire. On m'avait dit, ah t'as vraiment une voix de gay quoi, ouais bah merci. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc du coup, je vais pas prendre ma décision maintenant. Je vais d'abord faire un petit peu, quelques petits tours par-ci par-là, je vais essayer d'aller voir vite fait. Si possible, je vais aller voir pour m'acheter des munitions ou des armes. Ça serait plutôt pas mal, je pense, à mon humble avis. Et où c'est-il qui sont mes amis? Ah, ils doivent être de nouveau là-dedans, je suppose. On va vite voir sur la carte si c'est le cas. On va vite voir ça. Carte locale. Attends, tu te fous de ma gueule? Me dis pas que... ils sont là-bas. Ah si, ils sont là-bas. C'est pas possible. Rex! Non! Ils sont nuls. Bon, c'était épais là-bas, quoi. Oh là là, il y a Rex et puis Cassidy qui sont restés sur le coup, qui sont restés à la centrale. Pourtant, j'étais sûr de les avoir appelés. Alors, me suivre. Non, on décolle. Me suivre.
Me suivre. Voilà. Bon. Maintenant, on retourne là. Ah, Gunrunner, excellent. Je cherchais les Gunrunner. Salut le robot. Bienvenue, monsieur ou madame. Alors voyons voir ces marchandises. Donc, je zou. Suis prêt à procéder. Oui, on s'en fout. Alors, nous, ce qu'on a envie, c'est des armes. Des vêtements. Mais tiens, franchement, on peut se faire plaisir, hein. Armure de combat et tout, machin, renforcé, armure de combat, renforcé, marque 2. Armure et tout. Renforcé. Mais tiens, on a tellement de capsules, on a 25 000, quoi. J'ai envie de dire, ouais. On va prendre ça, quoi. Voilà. Ensuite, vêtements, donc divers. S'en fout. Munitions, je sais pas trop ce qu'on a besoin. Il fallait que j'aurais dû regarder. Ah bah tiens, je peux regarder ici. Bah voilà. Je vais regarder. Alors, par exemple, pour le fusil, ici c'est du 5,56 mm. Voyons voir ici si on a du 5,56 mm. On en a ici. Parfait. Ok. Ensuite, fusil de sniper. Non, ça on peut pas. Non, parce qu'il faut qu'on le répare d'abord. Fusil à levier. Non. Oh, mince. Je suis prêt. On recommence. Donc, j'avais dit, les armes sont là et les munitions sont ici. Hop. Voilà. D'accord. Donc, fusil à levier, c'est du calibre 20. Très bien. 22. Est-ce qu'on a du calibre 20? Ah, parfait. Ok. Ensuite, ici, grenade frag, mine plasma, machin, pistolet. C'est quoi ça? C'est du 22 LR. Parfait. On prend tout. Ensuite, du 10 mm et du 9 mm. On va prendre un petit peu de ça aussi. Point assisté. Pistolet mitrailleur. Là, c'est du 10 mm. Est-ce qu'on a du 10 mm à quelque part? Ici, parfait. Ensuite, on a le truc boum boum. Le boum boum, c'est quoi? C'est du G40. Alors, le boum boum, c'est du G40. Donc, du coup, est-ce qu'ils ont du G40 à quelque part? J'ai 40. Où es-tu? Ah, voilà. Yeah! Voilà. Donc, pour l'instant, on accepte ça. Ensuite, maintenant, j'aimerais m'acheter peut-être des armes. Alors, on va voir ce qu'ils ont comme armes. Vraiment de bon état, j'ai envie de dire. Quitte à payer le prix fort, c'est pas très grave. Carabine de la pisto. Couteau machin. J'ai cru que c'était marqué couteau dynamite. N'importe quoi. Fusil de caravane, fusil de chasse, fusil de sniper. Bah tiens, un fusil de sniper. On pourrait se le payer, ça. Hein. Allez, tiens, on va s'offrir le luxe de se prendre un fusil de sniper. Fusil à canon scié, non. Fusil à grenade, fusil à levier, fusil à répétition, fusil à un coup. Vermine, fusil à émeute. Ouh là là, je connaissais pas ça. Je connaissais pas du tout, dis donc. Fusil à émeute. Bam, 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 bam. Je suis sûr que c'est un gros fusil à pompe. Lance-missile, mine à plasma, minigun. Mitraillette légère. Ok. Dégâts, c'est combien? 21, c'est pas génial. Ah mais attends, il tire peut-être beaucoup de munitions aussi le truc là. Ah tiens, on le ramasse. Et on accepte. Et on quitte. Et on se bouge. Revenez. Et voilà. Ok.
Je suis en surcharge pondérale, donc du coup, c'est normal, j'ai envie de dire. Il faut juste que je regarde maintenant ici dans mes objets. Alors déjà, déjà mettre les gros vêtements que j'ai. Voilà. Et ensuite dans les armes, regarder un petit peu ce que j'ai, si je peux réparer quelques petites choses ou pas. Alors là on voit que le fusil boum boum, j'ai 23 munitions, c'est parfait. Ce fusil multiplat, je pourrais le revendre limite. Le fusil de sniper, alors, on va l'entretenir. Ensuite, tac tac tac. Ouais. J'ai 10 kilos de trop. Ouais, bon bah d'accord. Alors, on se retourne et on va lui vendre quelques objets de nouveau. Bienvenue, monsieur. Voyons ses marchandises. D'accord, moi j'aimerais te vendre donc les armes. Alors, arme à air comprimée. Ça je garde. Le multiplat, on le vend, puisque de toute façon j'utiliserai pas. Le fusil à plasma, on a 307 de munitions, on garde quand même. Grenade plasma, machette, la machette, on la vend. La mine plasma, on peut la vendre aussi, je pense. La mire d'Euroclide, d'Euclide, pardon. Mitraillette légère, on garde, on vient de l'acheter. Pistolet silencieux, qu'est-ce qu'on a dessus comme munitions, on en a que 100, mais bon, c'est pas mal, on garde quand même. Pistolet 9 mm et 10 mm. En fait, on va garder juste le... On va garder le, uniquement le 10 mm. Tiens, voilà. Pistolet laser. Ouais, on garde toujours, on sait jamais, ça peut me servir. Pistolet mitraillette. Tchac, tchac, tchac. On va vendre celui-là. Voilà, ça fera plus de munitions pour l'autre. Tchac, tchac, tchac. Point assisté. J'utilise pas. Voilà. Bon, on accepte. Et on se bouge. Revenez vite. Revenez vite. Ouais. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder vite fait. Là, l'arme. Fusil de sniper. Je voulais utiliser la mitraillette légère. Qu'on regarde un petit peu ce que c'est que cette mitraillette quand même. Je suis un petit peu... Ah, ça ressemble un petit peu à une... Ok, d'accord. À une MG. C'est parfait. Ok, c'est vraiment le truc ta qui s'arrête jamais de tirer, je suppose. Ouais, c'est parfait. Voilà. Regardez comment est notre personnage. Ouais, il a un bon costume, hein. Maintenant il est bien protégé. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. T'es bien gentil, mais il est où Rex de nouveau? Rex, t'es où mec? Il est en train de chier? Ah non, il est assis. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fous, Rex, dis donc? T'es où? Nom de Dieu, quoi. Enfin, bref. Bon, bah, du coup, moi, je m'arrête ici pour cet épisode. On va juste... Ah non, ce que je vais faire, c'est que, hop, avant de finir l'épisode, bien évidemment, je vais me téléporter directement vers... Tac. La légende, peine de cœur. Je vous ferai changer. Enfin, limier. Pour finir, on n'aura pas rapporté Rex au docteur Henry à Jacobston pour découvrir comment le réparer. Ne poussez pas le bouchon. On va aller voir directement la RNC, un gros réseau d'informateurs. Si vous continuez à travailler, on s'en fout. Carte du monde. Moi, je veux retourner aller voir... Comment il s'appelle déjà? Où c'est qu'il est, là, normalement? Crimson Caravan, jusque là on est d'accord. Ok, bon, on va voir comme ça. Il faut que je retourne voir Benny, oui. Je réussissais à faire le truc. C'est juste que c'est bizarre, mais j'ai l'impression que l'endroit n'apparaît plus sur ma carte.
Ah si, il est là. Ok, d'accord. Salut, toi. Ok. On retourne voir Benny, oui, oui. Oui, oui. Alors, on va au penthouse. Hop, ça c'est fait. Vous vous sentez d'attaque pour aller au barrage? La Légion de César va lancer l'offensive d'un moment à l'autre. C'est quelques petites choses à régler avant la bataille, machin, etc., etc. Bien sûr, pas de problème. Tant que la Légion n'attaque pas avant que vous soyez là-bas, et je suis sûr qu'ils ne feront rien. Parfait. Bon bah du coup, écoutez, moi je vous laisse sur cet épisode, je m'arrête ici, voilà. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, laissez-moi des commentaires si vous voulez bah, que je fasse quelque chose vite fait avant qu'on finisse le jeu, parce que là, je suis arrivé à la fin. Alors, bah, dites-moi simplement ce que vous aimeriez bah, que je fasse, par exemple. Je sais pas si vous pensez qu'il y a une mission ou quelque chose d'autre à faire qui pourrait être utile, ou alors même m'aider sur l'issue de mes choix, en fait, simplement. Sachant que moi j'ai décidé personnellement d'aider Benny Oui Oui, hein, parce que voilà, je fais confiance à un robot à la con. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon, c'est pas grave. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça c'est ma décision pour la fin de Fallout. Mais c'est clair que si tout d'un coup vous me dites, ah non mais attention, Tsuba, tu feras peut-être quand même mieux de ci ou de ça, machin, etc., etc. Il n'y a pas de problème, faites-moi juste savoir tout ça dans les commentaires. Moi, j'attendrai que vous me répondiez dans ces commentaires-là. Et au moment où j'aurai une réponse sur bah sur l'issue, si vous me dites bah voilà simplement bah vas-y fais ton dernier épisode, go c'est bon, vas-y. Moi je le fais, y a pas de souci. En attendant, comme ça j'attends un petit peu sur vous, et puis comme ça je vous laisse bah aussi avoir un minimum d'emprise sur mon aventure. Voilà, voilà, donc sur ce, bah, j'espère que vous aurez apprécié l'épisode autant que moi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée, puis le principal, prenez soin de vous, ciao tout le monde. Salut Benny. Oui oui.